Salut tout le monde, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo Fortnite Battle Royale. Pourquoi ? Parce que, il n'y a pas de nouvelles armes, il n'y a pas de nouveau stuff, il n'y a rien de nouveau. Simplement l'envie de vous proposer du contenu Fortnite comme il y en a absolument partout pour être absolument super original. Alright, alright ! Ladies and gentlemen, je ne sais pas où je vais sauter. Enfin, si, en fait, je vous manque comme d'habitude. Pourquoi se faire chier quand on peut sauter à Tilted Towers, hein? C'est là où vont 60% des joueurs de toute la carte. Let's go, mon pote! Un truc qui irait super bien avec cette arrivée sur Tilted Towers, ce serait la musique de Dragon Ball Super Sangoku en Ultra Instinct. Hop là! Qu'est-ce qu'il y a? On prend ça, tac! On prend ça, tac! On boit. And now we are good to go. Ok. Donnez-moi les munitions, très bien, tac, tac. On va récupérer les bandages et on va descendre. Allez, l'objectif pour moi c'est de trouver du monde. Il y avait même pas besoin de paniquer puisqu'il a raté son premier tir. Donc tu te poses tranquille, sereinement, comme ça. Et tu cherches à la recherche de l'ultra instinct. Si tu pouvais juste arrêter de m'enculer comme ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vais juste récupérer ton petit truc, je vais m'en remettre une, hein, parce que bon, il n'y a que ça, mais voilà. Je vais récupérer ça, je vais récupérer ça. Du coup, il a un shotgun vert, c'est très bien, et on va continuer à runner la ville de Tilted Towers. Hop! Je me suis posé délicatement, je les ai regardés se taper, je voulais absolument pas les interrompre, ça m'aurait fait mal au cœur. Bon, je vais récupérer tout ça, il y a même de la popo, ça c'est absolument délicieux. Et je me demande si je peux me permettre de me heal comme ça au milieu de la... Attends, on va quand même se protéger un minimum. Je vais récupérer ça, je vais me remettre à 50. Je vais récupérer ça, je vais me remettre full shield. Maintenant, on va regarder un petit peu autour de soi au cas où, si jamais on trouverait pas éventuellement quelqu'un. Ah. Où tu tires? Où il est? Je voulais lui envoyer un lance-roquette surprise, mais il a pas voulu. Putain, t'étais difficile, toi, mon pauvre. En tout cas, je sais pas si vous avez vu, mais au niveau des constructions, tout est... Tout, voilà, je le fais mieux, maintenant. Regardez tout ce que j'ai construit, là. C'est pas beau, ça? J'ai fait tout ça tout seul. Alors maintenant, il va falloir que je rentre un petit peu dans la partie chiante du game, c'est-à-dire qu'il va falloir que je récupère quelques ressources. Si jamais j'ai l'envie de survivre, effectivement, il va falloir que je gazère un petit peu de ressources. Je pense que je vais vous épargner cette partie chiante, parce que sinon, me voir taper des arbres, je pense qu'il y en a certains qui vont péter un câble. Ouais, mais White Shark, non, c'est quand que tu nous fais un truc comme ninja? Pas ninja, mon gars. Je fais des trucs à mon niveau, des choses que je peux vous proposer, moi, à mon niveau. Tu ne m'échapperas pas de sitôt. Oh oh, alors là, c'est vraiment pas cool puisque la zone est extrêmement loin et j'ai l'impression qu'effectivement la zone va bien plus vite que ce que le petit White Shark court dans la forêt. C'est une expérience terrifiante les amis, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui nous n'allons pas y réchapper, ou si peut-être effectivement que nous allons y échapper. Je vais me poser tranquille, je vais me balader dans les forêts comme ça, je vais me balader. Qu'est-ce qu'il y a? Qui peut me faire quelque chose à part une putain de balle de snipe qui me one-shot parce que le mec m'aura touché la tête et m'aura dévissé le cerveau? Ça peut effectivement se passer comme ça. Mais non, j'ai une chance de cocu. Voilà. En espérant que je le sois pas vraiment. Sinon, ça me ferait un petit peu chier. Mais pour le moment, tout ce que je sais, c'est que nous arrivons effectivement dans la zone. Et que j'ai seulement 5 munitions de lance-roquettes. Ça me fait plaisir. C'est pas grave, c'est moi qui régale. Oh! Oh! Jean-Louis, c'est toi qui te balades là-bas? Jean-Louis, qu'est-ce que... Jean-Louis, pourquoi tu sautes? C'est pour ça qu'on t'a vu, Jean-Louis. Parce que t'es con! Da 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 da.
Hop, on va se mettre un petit feu de camp. On va se mettre là. On va se remettre à 50. Et je ne sais pas où est le sniper. À mon avis, il doit être sur la passerelle. Boum 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 boum. Jean-Michel le sniper, t'es où? Je te cherche, mais je n'arrive pas à te trouver. Bonjour sniper. Hey sniper, look at this. Je ne suis pas très bien. Adrari. Oh. Boum. Boum. Bah alors, c'est-à-dire que j'ai construit à la vitesse de la lumière là. Ouh ! Putain ! Et tu pourrais peut-être juste me laisser boire ma méga popo? Je crois que je suis monté assez haut là. Il va essayer de venir me chercher en plus ce connard. Mais c'est qui me laissera jamais tranquille. Oh putain mon pauvre. Oh là là! Oh mon pauvre, t'as pris une de ces déferlantes dans la gueule! Oh là là! Putain, c'était compliqué là cette session build! D'ivoire! Qu'est-ce qui s'est passé, White? Oh! Alors! À l'attaque! À l'attaque! Boum 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 boum! Boum 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 boum, on a encore niqué un gars. Et l'autre, il me tirait dessus, mais je sais même pas où il est. Boum 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 boum. Boum. Non mais t'es sérieux gros? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu tires comme ça avec moi? Je t'ai vu gros. Sur quoi t'essayes de tirer, regarde. Tiens, est-ce que ça tu pourrais éventuellement l'attraper? Boum 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 boum. Hop. Mais gros. C'est pas comme ça que je voulais faire mon top 1. Ah non. Non! Non! Je voulais juste. Je voulais le troller, mettre des pièges, faire des trucs super stylés! Je voulais pas le tuer comme ça! Ah! Je crois que j'ai fait une bêtise! Bon, écoutez les gars, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Je voulais complètement troller le mec à la fin, tout simplement, mais j'ai pas réussi parce qu'il est mort sur mon coup de lance-roquette sans avoir build et. Mais pourquoi les bambis comme ça, ils restent en vie aussi longtemps? C'est un truc de ouf! Pourquoi je me retrouve en duel avec lui? Je pouvais pas avoir un gars qui construisait avec moi tout haut et tout. Non, bon, bah écoutez, c'est pas grave. Si jamais vous avez kiffé cette petite vidéo, je vous invite à liker la vidéo et je viens de mettre un putain de coup de coude dans mon bureau! Ah, si vous avez kiffé cette vidéo, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir voir l'intégralité de mes vidéos, que ce soit sur Rainbow Six et ou Fortnite et ou d'autres jeux, ça me fait plaisir. Je me suis vraiment culé le coude là, sérieusement, j'ai vraiment très mal. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde, peace.